Bienvenue, très chers abonnés à la Purple Road Life. Donc, dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir en fait notre équipement en gaz et l'homologation que nous avons fait avec Caligaz. Donc voilà, dans un premier temps, on peut voir le caisson étanche qui va servir pour le gaz. Et puis un autre caisson qui a été ventilé aussi pour pouvoir y mettre tout ce qui est électrique et aussi rajouter une aération pour pas être asphyxié par l'acide de la batterie. Donc là, dans un premier temps, j'ai dû couper justement la carrosserie pour faire une ventilation extérieure au niveau de l'électricité. Alors voici le petit travail du jour pour le caisson électrique, le caisson de gaz, pardon, pour la partie gaz. Donc j'ai pu réaliser justement une ventilation haute et une ventilation basse pour pas que s'il y a une fuite, qu'on soit confronté à du gaz, quoi. Découvrir. Donc j'ai installé aussi une sangle pour pouvoir accrocher la bouteille de gaz et puis mettre une petite sortie pour les tuyaux de cuivre. Donc là on voit un peu ce que je compte installer. Donc pour le cuivre il faut un robinet et puis tous les raccords qui vont avec, et aussi surtout de quoi fermer cette box pour qu'elle soit fermée de manière étanche. Et donc voici ce qu'il faut réaliser en fait pour l'homologation VASB pour avoir justement un caisson gaz aux normes. Et voilà pour la réalisation. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est le VASB, donc c'est pour vraiment pour l'homologation des véhicules aménagés, caravanes, autocaravanes. Bon, ben, obligé d'enlever les poignées parce que bon, les calculs qui avaient été faits sur les dimensions trouvées sur internet ne correspondent pas vraiment à la box que j'avais réalisée. Donc voici, ça peut rentrer, mais le seul hic c'est que la porte ne ferme pas. Et il m'a fallu creuser le sol, retirer un peu du parquet que j'avais installé, et voilà, maintenant la bouteille rentre sans problème et du coup il ne reste plus qu'à vous montrer le projet fini que voici, qui a été déjà certifié d'ailleurs. Donc ça a été un énorme travail entre autres, et enfin voilà, on en voit la fin. Donc bien sûr il n'y a pas que ça pour l'homologation, mais vous pouvez voir déjà que c'est un travail
qui prend pas forcément énormément de temps, mais qui doit être bien fait, très minutieux. On avait aussi acheté un coping gaz, donc on voulait pas mettre de, comment on appelle ça, de ben, tout ce qui est installation gaz. Donc on avait acheté un coping gaz et bon, on va toujours l'utiliser. Ça pourra nous permettre de le mettre dehors quand on sera à l'arrêt, de pouvoir cuisiner dehors, ce sera parfait. Pour tous ceux qui aiment les chats, nous avons justement dû acheter de la litière vu qu'on est en ville pour le moment et qu'on n'a pas de série près de là où est-ce qu'on est. Donc, pour la partie électrique qui se trouve justement derrière cette litière, on a une batterie de 140 ampères heure. Un onduleur de 2000 watts et qui fait 4000 watts en crête, c'est-à-dire qu'il peut monter dès l'allumage, il peut monter jusqu'à 4000 watts et puis il se régule, comme le matériel se régule un peu, il démarre fort et après la puissance redescend. Donc voilà. Là, on peut voir le coupleur séparateur et l'aération que j'ai réalisée, qu'on a pu voir au début de la vidéo. Donc, le coupleur séparateur qui nous permet de pouvoir recharger la batterie tout en roulant. Une fois qu'on arrête de rouler, ça arrête de recharger la batterie. Et aussi l'onduleur qui nous permet de transformer de 12 volts en 220 volts et avoir utiliser tout ce qu'il y a des prises comme à la maison. Ensuite, concernant l'installation électrique encore, nous avons justement ces prises de 220 volts et le régulateur de charge en fait qui permet à ce que les panneaux solaires recharge la batterie avec une tension assez une tension normale en fait, ne pas trop dépasser la tension de charge, et puis une fois que la batterie est chargée, il s'arrête automatiquement. Nous avons aussi branché sur une veine sortie, nous avons branché notre glacière réfrigérante, donc qui permet ça nous permet d'avoir une sorte de frigo à bord. Et puis les panneaux de contrôle que j'ai pu réaliser, qu'on peut voir certainement dans une autre vidéo, auquel vous pourrez trouver cette vidéo dans le lien qui va s'afficher en haut. Où est-ce que j'ai tout refait à neuf et voilà que c'est un peu plus beau à voir et un peu plus efficace à l'emploi. Donc on peut y voir justement tout ce qu'on a comme bouton, que ce soit le chauffage, le coupeur électrique, le coupeur de batterie, l'eau aussi. Le bouton d'allumage pour l'eau et puis la lumière. Donc, juste à côté du panneau de contrôle, donc on a la douche. En fait, là, on est dans la douche. Voilà le pommeau de douche. Et puis, nous avons un chauffe-eau aussi qui permet de chauffer l'eau instantanément. Et un évier juste en dessous. Voilà, on a fait un système où est-ce que en fait notre évier est une sorte de seau pliable qui nous permet de pouvoir ramener une tablette à la verticale et pouvoir justement
prendre une douche. Moi qui fais 1,73 m en dernière date. Voilà, sinon je peux rentrer sans problème. Donc voilà, il n'y a aucun souci. C'est très efficace. Juste à côté encore la partie chambre, où est-ce que nous avons un lit qui fait 1,70 m sur oui, 1,70 m sur 140. Et donc on peut y voir la mini guirlande pour pouvoir avoir une petite lumière tamisée la nuit, pour être tranquille, pour regarder des films. On a un petit haut-parleur Bluetooth pour justement gérer ça. Une moustiquaire fait maison. Comme ça, on peut dormir avec la porte ouverte. On peut rester couché, passer la soirée avec la porte ouverte et les insectes ne rentrent pas. Et voilà. Ça reste très agréable. Il nous reste des choses à mettre, des porte-manteaux, tout cela. Surtout au niveau de la douche, ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous avons l'intention de mettre une vitre ici. D'ailleurs, pour un peu voir ce qui se passe à gauche, à droite, et puis avoir un peu plus de luminosité. Donc du coup voilà, comme je disais, il reste une autre partie où est-ce qu'il y aura, c'est un coin bureau et un coin plan de travail pour la cuisine. Donc je vous ai montré un peu de, comment on appelle ça, la gazinière tout à l'heure. Et donc là, vu qu'elle va changer de place, c'est qu'elle va aller là où est-ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc au final, il y aura plus de espace pour pouvoir cuisiner à cet endroit-là et pouvoir travailler aussi, qui est un côté travail. Et quand on retire tout ça, plus ce côté-ci, j'ai mis l'ordi, le côté douche en fait, parce qu'il y a l'évier qui a un couvercle. Une fois qu'on ferme tout ça, et ben, il y a une place pour faire un autre lit. Donc, pour les invités qui veulent dormir. Après, bon, à l'avant, trois places, on passera à l'avant tout à l'heure. Et du coup, donc pour ceux qui veulent s'inviter et dormir, donc, du coup, il y a une possibilité, venir avec sa propre voiture, prendre le suivant, ramener sa tente, pouvoir dormir dehors, c'est cool. Et il y a une place à l'intérieur pour pouvoir dormir. Ça, c'est parfait. On va passer au côté technique, un peu, encore rester sur le côté technique et montrer un peu le chauffage. Le chauffage qu'on a fait 800 watts, 8000 watts par an. Donc c'est du costaud. Une fois qu'on met ça en route, c'est hard. Alors, la petite autre partie électrique auquel j'ai pas fait référence, bon, déjà c'est la pompe et surtout le chauffage. Donc on a une sortie d'aération juste en bas de la douche en fait qui nous permet de chauffer cette partie-là du véhicule et on en a une autre quoi, au fond à côté du lit. Donc, pour rester au chaud la nuit. Voir un peu notre installation gaz et électrique, tout ce qui est chauffage, tout ça, c'est éventuellement il manque le côté de la pompe. Et on vous invite à vous abonner et surtout mettre la cloche pour avoir les notifications et de nous mettre un petit j'aime. Et surtout, restez connectés. À très bientôt.